Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. الحمد لله. والصلاة. والسلام. على رسول الله. اللهم. افتح لي أبواب رحمتك. Donc nous reprenons notre chapitre sur la prière et on avait dit que la prière c'était le deuxième pilier de l'islam et c'était le plus important pilier après la shahada. Et on avait dit que la prière c'était une façon d'adorer et de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Également un musulman qui accomplit correctement sa prière entrera où? Au paradis. D'accord? Et celui qui ne prie pas, il désobéit à Allah. Celui qui ne prie pas, il désobéit à Allah. Celui qui ne prie pas, il fait partie des pires des musulmans, des plus mauvais musulmans. Même s'il est gentil, même si il se comporte bien à l'école, même si il ne fait pas de bêtises, eh ben sachez que le fait de ne pas prier, c'est la plus grosse bêtise que tu peux faire. Ilham, attention, balance-toi pas avec ta chaise, tu risques de tomber. Et j'ai vraiment pas envie que tu tombes et que tu te fasses mal. D'accord, les enfants? Donc celui qui ne prie pas, il ne désobéit, il désobéit à Allah Azza wa Jal. Il y a combien de prières dans la journée? 5. D'accord, donc on va commencer par apprendre le nom des prières. Et ensuite, on va, donc à la page 23, apprendre le nombre de raka'at, d'unité qu'il y a dans chaque prière. Donc la première prière, comment elle s'appelle? Oui, Hamza? Al-Fajr. On répète, Al-Fajr. Al-Fajr. Alors, pourquoi à côté d'Al-Fajr, il y a, c'est quoi l'animal qu'il y a à côté du mot Al-Fajr, oui? Un coq. Bah, pourquoi il y a un coq? Est-ce que le coq il fait la salade? Est-ce que le coq il fait le Fajr? Oui, Hassan? C'est parce qu'il y a vu un ange. Waouh, c'est très très bien ce que tu as dit, Hassan. Exactement. Quand le coq, il chante, d'accord, qu'est-ce qu'il sait faire le coq? Qu'est-ce qu'il fait bien, un beau coq? Je veux un vrai coq. Mohamed, c'est faire un beau coq. Vas-y, viens. Viens, viens à côté, je veux voir. Je veux un beau coq ici dans la classe. Alors, en arabe, comment on dit un coq? Dik. Répétez, dik. Viens faire le dik. Vas-y, je t'écoute. Attends, on écoute Mohamed. Vas-y. Akak. Inch'Allah. Bon, je veux un dik qui est encore qui chante plus que ça. Vas-y, Mohamed. Deuxième Mohamed. C'est bien, Mohamed. T'es un petit coq. Vas-y. Attends, chut, non, j'entends pas. Vas-y. Kakak. 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 Bon, je veux un vrai coq, là. Vas-y, Hamza. Ça va fermer les oreilles. Kakaka. Ok, pourquoi pas. Un dernier coq. Vas-y, viens, Hassan. Indique. Oh, viens, viens, viens. Refais-le là, là. Ça, c'est du coq, ça. Vas-y, on t'écoute. Eh ben là, on a le dik de notre classe. On va t'appeler Hassan Eddik. Mashallah. C'est bien, Hassan. Donc, le coq, le dik, quand il chante, c'est parce qu'il a aperçu un ange. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui d'entre vous qui entend chanter le coq, qu'il demande à Allah de lui accorder sa grâce. Parce qu'il a aperçu un ange. Donc, quand tu entends le coq chanter, tu demandes à Allah de te donner le bienfait. Tu peux dire Allahumma inni as'aluka min fadlika al-azim ou tu peux faire une invocation. Par contre, celui qui entend
brère un âne. D'accord. Exactement, c'est que l'âne a vu un shaitan, donc il crie quand il fait quand il crie comme ça. D'accord. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Également, pourquoi? Donc maintenant, pourquoi il y a, ça ne nous répond pas à la question, pourquoi il y a un coq à côté du Fajr? Parce que le coq... C'est le matin. Exactement. Il chante le matin et il nous réveille pour la prière du Fajr. Il nous réveille pour la prière du Fajr. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit d'insulter le coq. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tasubbuddik, n'insultez pas le coq. On ne doit pas insulter le coq parce que le coq, il te réveille pour la prière. Et aujourd'hui, bon, on n'a plus de coq dans nos jardins, mais c'est pour cela qu'on doit avoir un réveil. C'est quoi qui remplace le coq aujourd'hui dans nos maisons? C'est le réveil. Donc on doit tous mettre notre réveil pour la prière du matin. D'accord? Parce qu'il est interdit de prier la prière du matin quand le soleil s'est levé. D'accord, donc le Fajr, qu'on le fait à l'aube, donc c'est-à-dire quand le soleil n'est pas encore levé, il y a combien de rak'at? Deux rak'at. D'accord? Et on les fait à voix haute. Alors, la deuxième prière, comment elle s'appelle? On lève la main, narfa'u l'aïd. Al-Aidi, pardon. Naam Zahra. Al-Zuhr. On répète Al-Zuhr. Et on fait combien de rak'at? Oui. Quatre. Ensuite, c'est quoi? Oui. Al-Asr. Al-Asr, combien de rak'at? Oui. Quatre. Et regardez, pour le Zuhr et l'Asr, il y a quoi comme dessin? Un soleil. D'accord, pourquoi? Parce que le Zohar, c'est quand le soleil il est tout en haut, et le Asar, c'est quand le soleil commence à descendre. C'est à l'après-midi à peu près. Voilà. Ensuite, quand le soleil se couche, donc totalement, on prie quelle prière? Oui. Al-Maghrib. Combien de raka'at, Hamza, Al-Maghrib? Trois raka'at, très très bien. Et ensuite, c'est quoi? Iman? Al-Isha. Al-Isha, c'est combien de raka'at? C'est quatre raka'at. D'accord? Et? Arba'a raka'at. Très bien. Et on le fait le soir, la nuit. D'accord? Donc, on rappelle une raka'at. Qui peut me rappeler c'est quoi une raka'at? Une unité de prière, Zahra? C'est quand, en fait, on prie. C'est tout à faire avec le doigt. Quand on a terminé, ça veut dire là, on a fait une raka'at. Non, pas forcément, parce que quand on fait avec le doigt, des fois, c'est au bout de deux raka'at. Regardez, une raka'at, on dit Allahu Akbar, on se met debout. Mettez votre doigt comme ça, debout. On récite la fatiha et une sourate. Ensuite, on dit Allahu Akbar, on s'incline. D'accord? Donc, comme ceci. D'accord? Je dis debout, ensuite je m'incline. Ensuite, je dis Sami Allahu liman hamida. Donc on remonte le doigt, je me relève et ensuite je fais deux prosternations. Une, donc je dis Allahu Akbar, une, je m'assois, une deuxième, Allahu Akbar, et là je me rassois. Ça c'est une raka'at. Donc le Fajr, je vais faire deux fois ça. Et au bout de deux, je vais faire At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salawatu Wat-Tayyibat. Le Fajr pendant l'hiver c'est très tôt. Pendant l'été c'est très tôt et pendant l'hiver c'est très tard. D'accord? Non. D'accord les enfants? Donc vous pourrez faire à votre maison la page 24 et le dessin le fera en classe, Inch'Allah, au prochain cours. D'accord les enfants? Donc on répète. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu. Was-salawatu. Wat-tayyibat. Wat-tayyibat. As-salamu alayka. السلام عليك.
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك